have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to the national news services? This is extremely dangerous to our democracy. 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 Free press is a pillar, maybe the pillar, of free society. In a lot of ways, this dinner sums up my first 2 years in office. I'll talk for 10 minutes, take zero questions, and cheerfully walk away. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 4 mai déjà 2023, 9h35. Heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. On le sait, on est dans un monde en ce moment vraiment étrange. Il y a comme quelque chose qui est en train de se passer et qui dépasse la compréhension. On a, dans les années 70, 80, 90, on avait un mouvement qui était de gauche, d'extrême gauche, qui dénonçait et qui exposait la CIA, le FBI, le complexe militaro-industriel, et avec raison. Et de l'autre côté, tu avais les gens qu'on qualifiait de droite, qui étaient toujours faucons pro-CIA, pro-FBI, pro-guerre, pro-complexe militaro-industriel. Quelque chose est arrivé, et là, on s'est retrouvé avec l'inverse. La gauche, maintenant, puis l'extrême gauche qui soutient le complexe militaro-industriel, soutient les opérations, par exemple, en Ukraine, finance cette guerre-là, soutient le FBI, soutient la CIA. Et de l'autre côté, tu as maintenant les gens de droite qui demande des comptes au FBI, demande des comptes à la CIA et s'oppose à l'aveuglement du financement, par exemple, de différents conflits, dont celui d'Europe, et remettent et exposent le complexe militaro-industriel comme étant la machine de guerre qui n'arrête pas de nous envoyer toujours en guerre et en guerre, alors que le monde ordinaire veut vivre en paix et qu'il n'y a personne qui les écoute. Et quand tu regardes les médias de masse, tu écoutes les médias de masse, tu as toujours l'impression que les sujets qui sont abordés, la majorité de la population est d'accord avec ça. Alors que c'est complètement faux. La majorité de la population est contre ce qu'on nous envoie et qu'on nous donne comme nouvelles et comme pseudo-débat. Mais ça, tu ne l'entends pas parce qu'il y a un contrôle total. On l'a vu, je vous ai passé des extraits d'un le premier extrait que je vous ai passé, c'est dans les années 70, il y avait eu un comité sénatorial qui s'était penché sur, par exemple, l'implication de la CIA dans les médias. Et le sénateur demandait carrément aux représentants de la CIA, est-ce que vous avez des gens que vous payez qui sont infiltrés dans les médias? Et il a dit, je ne peux pas vous répondre à ça en public, je peux vous répondre à ça en privé. Par la suite, on a vu l'autre extrait que je vous ai passé, de toutes ces têtes de linotte qu'on entend à la télévision, qui ont toutes les mêmes formules et qui répètent toutes les mêmes choses. Ceci est une menace pour la démocratie, ceci est une menace pour la démocratie, ceci est une menace pour la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Eh bien, si on se fie à la Maison-Blanche, à nos médias,
C'est un, par exemple, président des États-Unis comme Joe Biden qui, au dîner des correspondants, il y a quelques jours, s'est même permis de se moquer de lui-même et des médias en disant « Moi, j'ai donné une petite conférence de presse, je m'en vais, je me sauve, puis vous n'avez même pas le temps de me poser de questions. » Puis ils sont tous morts de rire parce qu'ils sont tous ensemble, de mèche. Tu as Joe Biden qui dit « La presse libre, c'est le pilier de notre démocratie. » Faut libérer les journalistes qui seraient prisonniers, je sais pas où, de quel journaliste dont il parle. Mais tout ce beau monde-là des establishment oublie Julian Assange qui est en train de croupir dans des prisons et qui a été obligé de vivre dans une ambassade pendant des années. Là, maintenant, il croupit en prison en Angleterre avant son extradition. Il va peut-être crever en prison parce qu'il a exposé le complexe militaro-industriel. Edward Snowden qui a été obligé de s'extrader en Russie, et on en passe et on en passe de ces gens-là, dont l'establishment ne parle jamais. Donc, j'ai l'impression que, autant à gauche qu'à droite, le monde ordinaire, comme vous et moi, on est plus proches les uns des autres que ce que les médias tentent de nous laisser croire. Avec tous ces petits combats qu'on nous envoie, ces petits combats sur la culture, sur le sexe, sur l'identité, les transgenres, pour qu'on continue à se battre entre nous pour des idioties, des choses qui sont sans importance, puis qui ne nous divisent même pas, puis qui ne sont même pas des problèmes majeurs dans cet amalgame qui est devenu le monde d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est très important de réaliser ça. John F. Kennedy, imaginez-vous, puis tout cet establishment-là, cette élite qui nous gouverne, puis ça, c'est en France, c'est en Europe, c'est au Canada, c'est partout. Les politiciens sont des marionnettes. Ceux qui gouvernent vraiment, c'est tous ceux qui ne sont pas élus, c'est des gens qui ont pris le pouvoir, l'argent et les armes et le contrôle des armes, et c'est eux qui nous gouvernent. Et c'est eux qui mettent ensemble des politiques pour que l'élite garde toujours le contrôle des ressources naturelles, du complexe militaro-industriel, des industries du monde et de la division. Et c'est comme ça que ce système-là fonctionne. JFK, au lendemain de l'échec de l'invasion de Cuba menée par la CIA, ça c'est le New York Times, on n'est pas dans la conspiration, là. John F. Kennedy a déclaré avec colère à ses principaux collaborateurs qu'il voulait faire briser, éclater la CIA en mille morceaux et la disperser au vent. Il faut se rappeler que JFK, pas longtemps après, John F. Kennedy, a été assassiné. Et maintenant, beaucoup de gens, avec des preuves à l'appui, nous disent que c'est la CIA qui était impliquée dans l'assassinat de JFK. Demandez-vous pourquoi, vous avez votre réponse. Pendant longtemps, et même on se rappelle de Robert Kennedy, qui était son procureur général, a décidé de se présenter, lui aussi, quand son frère est décédé, aux primaires démocrates, et il a été assassiné aussi. Et son assassinat, encore là, a suscité beaucoup de doutes et de questions. Plusieurs rapports, même et de témoins qui étaient là, à côté de lui, affirment que la balle est venue d'en arrière et on prétend que c'est un individu qui a agi seul, là encore une fois, qui aurait tiré un coup de feu en face de lui, était en face de lui, alors que les témoins qui étaient à côté de Robert Kennedy ont affirmé avoir entendu une multitude de coups de feu et que même on a prétendu dans les rapports médicaux que le coup de feu était venu de derrière. Par la suite, on a John Kennedy Jr. qui a voulu se présenter aussi aux primaires sénatoriales contre Hillary Clinton dans les années, je pense, 90 ou 2000, à New York. Et il est mort dans un accident d'avion, je pense, qui était encore là, très suspect. Et il était très populaire. Il aurait battu Hillary Clinton, qui est devenue la sénatrice après ça de
New York. Et là, maintenant, on voit Robert Kennedy Jr., le fils de Robert Kennedy, qui était le procureur de son frère John F. Kennedy, qui se présente aux primaires et qui veut se présenter et qui se présente. Est-ce qu'il y en aura des primaires aux démocrates? Chez les démocrates, on ne le sait pas. Joe Biden a annoncé sa campagne de réélection. Il se représente. Ça va être fascinant à suivre. Déjà, Robert Kennedy Jr., qui n'a même pas fait de campagne encore, est à 20% dans les intentions de vote des démocrates. Ça va être vraiment, vraiment très, très intéressant à suivre. Mais on le voit, il y a une séparation qui se fait, qui est faite par les médias, pour nous donner l'impression que ce qu'on voit, c'est réel et que toute la population est d'accord sur les sujets dont on débat à la télé. Tous des sujets qui sont sans importance. Les vraies questions, qu'est-ce que les corporations ont et font? Qu'est-ce que les industries ont et font? Qu'est-ce qui arrive avec les ressources naturelles? C'est des questions qui devraient être posées constamment par ces pseudo-journalistes qui prétendent représenter et fouiller pour la vérité, alors qu'on sait très bien que les médias, c'est des grosses corporations, sont alignées avec l'élite pour protéger l'élite et nous donner un spectacle de dispersion et de diversion incroyable. Les populations sont beaucoup plus solidaires et se ressemblent beaucoup plus que ce dont on peut donner l'impression dans les médias. Et c'est ça le message que je voulais vous communiquer aujourd'hui, vous partager. On est pas mal plus pareil qu'on le pense. Qu'on soit à gauche ou à droite, c'est pas vraiment important. On est tous dans le même navire. On est tous les galériens qui devrions s'unir contre cette machine de pouvoir, les médias, les corporations, les industries, le complexe militaro-industriel et les pantins de politiciens. On a beaucoup plus de similitudes, nous autres, ensemble. On est beaucoup plus pareil et on devrait s'unir beaucoup plus parce que on est du même côté. Pendant ce temps-là, avec ce qui se passe en Europe, imagine-toi que c'est des nouvelles que tu verras pas, mais les Russes, même avec toutes les sanctions qu'on a supposément puis qu'on a appliquées contre eux, ont vu leur liste de milliardaires augmenter de 22 depuis l'année dernière, sur la fameuse liste de Forbes. La Russie compte 110 milliardaires officiels sur la liste, soit 22 de plus que l'année dernière. Selon l'édition russe de Forbes, il a indiqué que leur richesse totale avait augmenté de plus de 40%. C'est assez intéressant. Pendant ce temps-là, malgré toutes les sanctions qu'on a imposées à la Russie aura une augmentation de son PIB, de une augmentation de son économie plus grande, plus importante que le Royaume-Uni. Imagine-toi, c'est quand même assez spectaculaire. The Independent nous dit que l'économie britannique aura la pire performance de toutes les économies du G7, même que celle de la Russie. Quand même assez spectaculaire. Le nombre de milliardaires russes bondit en 2023. La richesse globale des milliardaires russes est passée de 353 milliards de dollars à 555 milliards de dollars. Chers amis, j'espère que vous êtes en mesure de réaliser que vous êtes dans un faux combat quand vous vous placez du côté de l'élite, des corporations, des médias, des banquiers et des financiers. C'est une grave erreur que vous commettez parce qu'on va tous frapper un mur. Je vous reviens.